Alors moi, je suis commercial, c'est-à-dire que je vais essayer de trouver un terrain qui correspond à leurs attentes, qui serait susceptible de convenir à leur mode de vie, à leurs besoins et bien sûr au budget. Et on va essayer de mettre tout ça en adéquation pour réaliser un projet de construction. Et une fois qu'on a un terrain identifié, ils vont signer un compromis pour s'engager. Et après, on va mettre tout ça en phase pour qu'à la fin, ils puissent réaliser un peu leur rêve aussi, c'est-à-dire avoir une maison individuelle. Je suis les clients jusqu'à la remise des clés, donc toute la partie administrative, permis de construire, obtention de prêts et autres. J'ai fait un BTS à l'époque informatique de gestion. Et quand j'ai eu ce BTS, je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas du tout. Ça a été un peu le hasard, il y a eu une annonce d'emploi qui est arrivée et j'ai répondu à cette annonce. J'ai eu un entretien dans un recrutement. C'était difficile d'arriver à vendre une maison, donc j'ai eu une période de formation qui a duré à peu près un an et demi. Et puis après, ça a commencé à fonctionner et après je suis resté dans la maison individuelle jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Déjà, il faut être à l'aise. Il faut avoir le goût du contact, aimer rencontrer des gens, aimer transmettre quelque chose, aimer apporter une solution à des gens. L'accompagnement, c'est important. Moi, ce que j'aime aussi, c'est accompagner les clients quand ils viennent me voir en me disant « voilà, on a un projet, mais on ne sait pas. On voudrait 3 chambres, on voudrait un séjour, une salle à manger. » Mais on ne sait pas trop. Et un bon commercial, entre guillemets, c'est quelqu'un qui va rester honnête, qui va arriver à vendre son produit tout en restant dans l'honnêteté. Et c'est là qu'on reste longtemps dans le métier, quoi.